Voilà, Murana, on a trouvé la preuve. Tous ces ustensiles portent le même blason que la louche. Et ici, c'était sa place, dans cet écrin. Oh oui, malheureusement, petite pirate, le soleil s'est couché, alors cette louche appartient à Dany. Oui, ça apprendra à votre cuistot de nous accuser à tort. Vous avez raison, mais Roberto veut vous faire goûter quelque chose. Macarons à la cacahuète façon Roberta. Les macarons les plus délicieux du grand océan fourrés à la crème de cacahuète grillée dont ma grand-mère m'a tant parlé, c'est ça? Oui, c'est bien eux, et préparé spécialement pour vous. Ce goût parfait de cacahuète, je dois le reconnaître, tu es bien le digne héritier de Roberta. Et donc le digne héritier de la louche. Enfin, Murana, tu ne vas quand même pas lui rendre la louche, pour de vulgaires biscuits en plus. De vulgaires biscuits, triple andouille. Donne-moi ça, ces macarons sont de vrais trésors. Tiens, Roberto, personne d'autre que toi ne peut mieux utiliser cette louche. Ah, merci. Non, elle est à moi. Je n'ai jamais goûté quelque chose d'aussi bon. Tu as tout mangé, et moi alors? Ne t'inquiète pas, Dany, il en reste. Nous partons en chantant, y a de la joie dans nos cœurs, on n'a pas peur.